Bonjour. Vous avez été opéré récemment et dans le contexte actuel, il vous est impossible de bénéficier de séances de rééducation et naturellement, vous vous sentez un peu abandonné. À partir de ce constat, avec mes collègues kinésithérapeutes, nous voulons vous donner des informations et surtout des exercices à reproduire à votre domicile pour être le moins impacté dans votre récupération. Il s'agit d'exercices simples et faciles à reproduire. Je vous rappelle bien entendu qu'en cas d'urgence, comme de la fièvre, un pansement taché, des douleurs anormales, vous pouvez nous joindre en urgence en appelant la clinique ou le numéro du secrétariat. Et maintenant, nous avons mis en place des téléconsultations sur le site hellocare.com, helocare.com. En préambule, il faut savoir que lorsque vous faites opérer, le corps considère cela comme une agression et c'est la raison pour laquelle des phénomènes inflammatoires vont se mettre en place. Ainsi, vous allez avoir une articulation qui va être douloureuse et inflammatoire, avec également la présence probable d'un hématome les premiers jours. Il va donc falloir lutter contre cette inflammation tout en mobilisant en douceur et simplement vous allez appliquer de la glace, surélever le membre opéré et parfois appliquer une contention avec le port de bandes de contention. Vous avez été opéré du remplacement partiel ou total de votre genou. Tout de suite, vous allez pouvoir marcher et mobiliser votre articulation. Les premières semaines, il y a des pansements à faire, des piqûres d'anticoagulants par une infirmière. Encore une fois, il faut bien surélever la jambe, appliquer de la glace et effectuer des mouvements de genou, mais également au niveau de la hanche et de la cheville, en réalisant des contractions musculaires. Vous allez marcher sous protection de canne anglaise en fonction des douleurs. Il existe des exercices simples à réaliser pour éviter que votre articulation s'enraidisse, à réaliser de manière quotidienne en respectant vos douleurs. Il est fortement déconseillé actuellement de prendre des anti-inflammatoires comme le kétoprofène. Les cannes seront retirées progressivement et vous pourrez reprendre secondairement la conduite automobile. Votre genou va rester gonflé, c'est-à-dire que vous allez avoir un épanchement articulaire au minimum les 3 premiers mois, ce qui est tout à fait normal. Également, au début, vous pourrez avoir l'impression que votre genou est lourd et qu'il y a une nouvelle mécanique dans votre articulation. Ces sensations passeront avec le temps et notamment grâce au renforcement musculaire. Je vais laisser la parole maintenant à mes collègues kinésithérapeutes. Bien entendu, je vous espère en forme et vous souhaite bon courage. À bientôt. Bonjour à tous. Avec mes collègues du cabinet, on a décidé de vous faire quelques petites vidéos pour vous expliquer la rééducation post-opératoire de certaines pathologies. Alors moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous parler du genou. Alors quand on parle opération du genou, on pense à deux choses particulièrement, c'est-à-dire l'opération des croisés, c'est-à-dire la ligamentoplastie, et également des opérations sur les ménisques, donc que ce soit réparation méniscale ou ménisectomie. Ma vidéo va se diviser en trois, et premièrement je vais vous parler de la partie post-opératoire immédiate et surtout du premier rôle et du premier but qu'on va chercher à atteindre juste après l'opération, c'est-à-dire de faire dégonfler le genou. Alors pour ça, je vais vous présenter quelques petits exercices et quelques pratiques que vous pouvez faire facilement chez vous juste après l'opération, dès votre retour à domicile. Alors il faut savoir que le genou va gonfler un peu suite à votre opération et vous allez pouvoir mettre en pratique ces certaines choses, notamment le fait de venir glacer régulièrement votre genou. Alors moi je vais montrer sur mon genou droit pour que ce soit plus facile. Je remonte mon survêtement de ce côté-là, comme ça vous pouvez identifier les différents exercices. Et donc appliquer de la glace plusieurs fois par jour sur votre genou pendant un quart d'heure maximum. Voilà, donc vous pouvez le mettre sur la partie antérieure de votre genou, sur la rotule, et vous pouvez aussi le placer derrière votre genou. Alors quelque chose que j'aime bien aussi faire avec la glace, c'est de mettre un coussin sous le pied, avec le genou dans le vide, et ainsi vous allez également travailler votre extension qui est importante à récupérer rapidement au niveau du genou. Donc vous essayez de vous relâcher, d'être confortable. Voilà, vous allongez et essayez de laisser tendre tout doucement votre genou dans cette position sans que ce soit trop douloureux. Ça peut tirer un petit peu, mais sans réveiller trop de douleur sur cet exercice. La posture peut durer 10 à 15 minutes en fonction de ce que vous supportez. Alors, la deuxième chose à faire pour essayer d'améliorer le drainage de votre genou, c'est d'essayer de mobiliser un peu votre rotule. Alors quelque chose qui est très simple,
c'est d'essayer de bouger votre rotule avec les pouces de droite à gauche, tranquillement. Et ensuite, vous pouvez le faire de haut en bas, en essayant de faire glisser votre rotule tranquillement vers le bas, et ensuite tranquillement vers le haut. Alors pour ça, il faut que votre quadriceps soit bien détendu. Et vous faites ça 10 à 20 fois, tranquillement. Une autre chose qui peut être mise en place, c'est d'essayer de mettre votre membre inférieur en déclive. Donc c'est-à-dire quand vous êtes allongé, d'essayer de placer quelque chose en hauteur sous votre pied. Vous pouvez mettre une chaise, vous pouvez mettre des coussins, pour que votre jambe soit inclinée à peu près à 30 degrés. Et garder cette position qui va vous permettre de venir améliorer le drainage et essayer d'évacuer l'épanchement dans votre genou. Une autre chose qui peut être mise en place, c'est l'exercice qu'on appelle d'écrase-coussin, qui va agir par contraction du quadriceps en améliorant aussi le drainage. Alors le but, c'est d'essayer avec l'arrière de votre genou de contracter votre quadriceps pour écraser le coussin dans le sol. Donc au début, vous pouvez juste essayer d'appuyer sur le coussin. Si vous arrivez à bien contracter votre quadriceps, vous pouvez également essayer de lever la jambe, de décoller le talon du tapis ou de la table. Alors dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous parler du travail de la mobilité du genou. Donc il faut savoir que suite à l'opération, votre genou va sûrement être un peu raide. C'est-à-dire que vous allez avoir un peu de mal à le tendre, on appelle ça un flessum, qui est dû à l'épanchement articulaire. Et on va également devoir travailler sa flexion. Donc la flexion, c'est le fait de venir plier le genou. Alors concernant la flexion, dans le premier mois post-opératoire, notamment suite à une ligamentoplastie, on va essayer de se limiter à 90-100 degrés de flexion. Donc on ne va pas aller chercher plus loin que l'angle droit. Alors je vais vous expliquer quelques exercices pour travailler ça. On va d'abord parler du flessum. Donc pour travailler le flessum, on va venir essayer de retravailler l'extension du genou. Pour ça, je vais vous montrer deux exercices. Alors le premier, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est d'essayer de faire des postures en extension du genou, donc avec un coussin sous le pied. Vous pouvez mettre votre pack de glace et tenir cette position sur une durée prolongée. Donc en fonction de ce que vous supportez, vous pouvez aller jusqu'à 10-15 minutes de posture dans cette position. Et vous essayez de vous relâcher et de laisser tendre tout doucement le genou. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est vous mettre cette fois-ci sur le ventre avec la cheville pliée. Et dans cette position, essayez de venir contracter la cuisse pour essayer de décoller le genou du tapis. Et relâchez. Alors ça, sur celui-là, vous allez faire des répétitions, 10 à 20 répétitions, en essayant d'aller lever le genou le plus possible et relâcher. Ensuite, on va parler du travail de la flexion. Alors pour cela, vous pouvez repasser allongé et faire cet exercice très simple, d'essayer de ramener le talon vers la fesse. Donc vous vous limitez aux 90 degrés et ensuite vous relâchez en laissant glisser le talon. Donc la jambe ne se lève pas, le pied ne se lève pas du tapis. Vous pouvez également vous aider de vos mains si vous avez un peu de difficulté. Pareil pour relâcher. Et quand vous arrivez à votre maximum de flexion, vous pouvez essayer également de faire des mobilisations de flexion-extension de cheville qui vont vous aider à gagner en mobilité. Quelques fois, vous gagnez un petit peu. Et vous relâchez. Un autre exercice qui est facile à faire, c'est de vous placer assis sur une chaise avec quelque chose de glissant sous les pieds. Ça peut être un skateboard, ça peut être un papier sur du carrelage. Et essayez tout doucement de travailler votre extension et votre flexion en laissant glisser tout doucement la jambe. Un dernier exercice qui va se passer en position debout.
Vous prenez une chaise et vous essayez, avec votre jambe opérée, d'aller monter le genou et le redescendre tranquillement en fonction de vos possibilités. Alors dans cette dernière et troisième partie de vidéo, je vais vous parler du renforcement musculaire. Alors il est important de reprendre assez rapidement les exercices de renforcement assez simples où on va cibler trois muscles, le quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers. Alors il faut savoir que si vous avez une opération de croisée par DIDT ou DT4, on va retarder le renforcement des ischio-jambiers de 4 à 6 semaines parce que le tendon de l'ischio-jambier a été prélevé. Donc il est encore un peu fragile, du coup on va retarder un petit peu les contractions sur l'ischio-jambier. Pour le reste, vous pouvez faire rapidement tous les exercices que je vais vous proposer. Alors on va reprendre l'exercice de l'écrase-coussin avec des contractions un petit peu plus intenses et en essayant de décoller le talon. Donc, vous pouvez faire des séries tout le temps, 10 à 20 répétitions sur cet exercice. Un autre exercice de renforcement que vous pouvez faire avec la chaise, très simplement, essayez de venir tendre votre genou en essayant de décoller le pied, tenir le verrouillage du genou et relâcher. Pareil par série 10 à 20 répétitions. Derrière une chaise, alors on va travailler différents mouvements. Les montées de genoux. Alors vous pouvez commencer avec la jambe opérée, mais également le faire avec la jambe opérée au sol qui va lui permettre de travailler sa stabilité. Vous pouvez ensuite essayer de faire des écartements sur le côté qui va renforcer vos fessiers. Pareil, n'hésitez pas, si votre stabilité est suffisante sur votre genou, à le faire des deux côtés. Ensuite, vous pouvez essayer de faire des extensions de hanche, c'est-à-dire d'essayer d'amener la jambe avec le genou tendu vers l'arrière. Alors sur celui-là, faites attention à garder votre dos droit et à ne pas vous pencher vers l'avant. Pareil, vous pouvez l'effectuer des deux côtés. Si vos ischio-jambiers n'ont pas subi de prélèvement, vous pouvez commencer rapidement à faire des flexions du genou de cette façon. Si jamais vous avez eu un DIDT, DT4, vous attendez un petit peu avant de faire cet exercice. Ensuite, vous pouvez commencer rapidement aussi à faire des squats sur deux jambes. Donc vous pouvez vous tenir à une chaise pour commencer. Tout d'abord en limitant l'amplitude. Donc on fait des quarts de squat, des demi-squats en fonction. Et au fur et à mesure, vous pouvez aller chercher un peu plus bas jusqu'à 90 degrés. Vous pouvez également réaliser des fentes avec la jambe opérée devant, tranquillement, en essayant de descendre avec le dos droit. Et une autre chose qui est importante à travailler, c'est le déroulé au niveau de la marche. Donc vous pouvez essayer d'accentuer un peu cette phase en allant poser le talon, en déroulant le pied et en réalisant une flexion de genou au passage du pas. Alors ça, cet exercice peut être un peu difficile au début, donc prenez-le, essayez de le faire avec une canne dans la main gauche. Et notamment pour le béquillage, vous pouvez vous référer à la vidéo de mon collègue.